Arrêtez, peuple de l'OTAN. Vous bombardez un mur qui barre le chemin à la migration africaine vers l'Europe et le chemin des terroristes d'Al-Qaïda. Ce mur, c'était la Libye. Imbécile que vous êtes, vous le détruisez et vous brûlerez en enfer pour les milliers de migrants d'Afrique et pour avoir soutenu Al-Qaïda. C'est ainsi que ce sera, et je ne mens jamais. Et je ne mens pas maintenant non plus. Mémoire de ma vie. Colonel Muammar Kadhafi, chef de la révolution, 5 avril 2011. Au nom d'Allah, du bienfaisant, du miséricordieux. Pendant 40 ans, ou était-ce plus, je ne me souviens plus. J'ai tout fait pour donner aux gens des habitations, des hôpitaux, des écoles, et lorsqu'ils avaient faim, de la nourriture. Au Benghazi, j'ai même fait du désert une terre agricole. Je me suis imposé contre les attaques de ce cow-boy de Reagan, lorsqu'il a tué ma fille adoptive orpheline. Il avait essayé de me tuer. Au lieu de cela, il a tué cette pauvre enfant innocente. Ensuite, j'ai aidé mes frères et sœurs en Afrique avec de l'argent pour l'Union africaine. J'ai fait tout ce que je pouvais pour aider les gens à comprendre le concept d'une vraie démocratie, dans laquelle des commissions du peuple dirigent notre pays. Mais comme on me l'a fait comprendre, tout cela n'était pas assez. Même des personnes qui avaient des maisons avec 10 chambres, des costumes neufs et des meubles neufs n'étaient jamais satisfaites. Égoïstes qu'ils étaient, ils voulaient toujours plus. Ils racontaient aux Américains et à d'autres visiteurs qu'ils avaient besoin de démocratie et de liberté, sans reconnaître qu'il s'agit là d'un système coupeur de tête, dans lequel le gros chien mange tous les autres. Mais ils étaient comme ensorcelés par ces paroles, sans voir qu'il n'y a pas de médecine gratuite en Amérique, pas d'hôpitaux gratuits, pas de maisons gratuites, pas d'éducation gratuite et pas de nourriture gratuite. Sans parler des gens qui mendient ou des longues queues pour une assiette de soupe. Non, quoi que j'ai fait, pour certains ce n'était jamais assez. Mais d'autres, eux, savaient que je suis le fils de Gamal Abdel Nasser, le seul vrai dirigeant arabe et musulman que nous ayons eu depuis Saladin. Lorsque j'ai revendiqué la Libye pour mon peuple, comme il a revendiqué le canal de Suez pour son peuple, c'était ces traces que je tentais de suivre pour protéger mon peuple de la domination coloniale, de voleurs qui nous voleraient. Je suis désormais soumis à l'attaque de la plus grande puissance de l'histoire militaire. Mon petit-fils africain Obama voudrait me tuer, pour enlever la liberté à notre pays, pour nous enlever nos habitations gratuites, notre médecine gratuite, notre éducation gratuite, notre nourriture gratuite, pour la remplacer par le vol selon le style américain, appelé capitalisme. Mais nous tous, dans le tiers-monde, nous savons ce que cela veut dire. Cela veut dire que les grands trusts dirigent le pays, dirigent le monde, et que les gens souffrent. C'est pourquoi il n'y a pas d'alternative pour moi. Je dois prendre ma place. Et si Allah le souhaite, je mourrai en suivant son chemin, le chemin qui a rendu notre pays riche en terres agricoles, ainsi qu'en nourriture et en bonne santé. Et nous permet même d'aider nos frères africains et arabes, quand ils travaillent ici avec nous, dans la République du peuple libyen. Il n'est pas de mon désir de mourir, mais si cela devait arriver, pour sauver ce pays, mon peuple, tous ces milliers qui sont mes enfants, alors qu'il en soit ainsi. Que ce testament soit ma voix adressée au monde, que je me suis levé contre les attaques des croisades de l'OTAN. Levé contre la brutalité. Levé contre la trahison, levé contre l'Occident avec ses ambitions colonialistes, et que je me suis tenu du côté de mes frères africains, du côté de mes frères arabes et musulmans, comme une colonne de lumière. Pendant que d'autres construisaient des palais, je vivais dans une maison toute simple et dans une tente. Jamais je n'ai oublié ma jeunesse à Sirte, je n'ai pas gaspillé de manière insensée la richesse de notre peuple.
et comme Saladin, notre dirigeant musulman qui a sauvé Jérusalem pour l'islam, j'ai pris peu pour moi-même. En Occident, certains m'ont traité de fou ou d'insensé, mais ils connaissent la vérité et continuent néanmoins à mentir. Ils savent que notre pays est libre et indépendant, et non sous le joug des colonialistes. Que ma vision, mon chemin est compréhensible et l'a toujours été, et qu'elle est dans l'intérêt de mon peuple, et que je vais me battre jusqu'au dernier souffle pour nous garder libres. Puisse Allah le Tout-Puissant nous aider à rester croyants et libres. Colonel Muammar Kadhafi, 5 avril 2011.